celles qui ont choisi la mensualisation sont maintenant les plus nombreuses. Vous avez ainsi les guichets de perception. Et on partage un genre d'inscrit. La visite ne se fait pas toujours dans la bonne humeur. Non, madame. Certains viennent ici demander des renseignements. Ah, voilà, je ne m'entendais pas débuter, alors je suis inquiète. Ah, ou bien des délais de paiement. En septembre, ils font le calcul, ils vont rendre les mêmes programmes, ils vont rendre les paiements. Et c'est toujours ainsi lorsqu'arrive le dernier jour pour payer ses impôts, comme aujourd'hui le premier tiers provisionnel. Il existe bien une possibilité de ne pas se déranger, de n'avoir rien à poster, le prélèvement mensuel. A priori, une solution facile, et pourtant... Moi, j'aime pas le système prélèvement de la petite mensuelle, j'aime pas ça. Que ce soit pour n'importe quel téléphone, EDF, impôts, j'aime pas ça. C'est les programmes de l'argent qui rentre, les programmes sont la vie mondiale, donc je préfère payer quand je suis. Car toute la question est là. Tout le monde n'a pas intérêt à payer de la même manière. 16 millions de contribuables, un foyer sur deux, acquittent l'impôt sur le revenu. Plus de la moitié a choisi la mensualisation. Intéressant lorsque l'on a des revenus stables. Les autres préfèrent payer en trois fois. Le tiers provisionnel est réservé aux contribuables qui ont des revenus qui varient d'une année sur l'autre et permettent ainsi de planifier leurs dépenses et leur trésorerie. Les plus malins tentent même de faire fructifier leur argent avant de le verser au fisc. Mais inutile de se faire des illusions. Quel que soit le moyen de paiement, la somme due est toujours la même. Quoi qu'il arrive, les impôts ont le dernier mot. La lutte contre les fraudes des cartes bancaires est maintenant une nécessité urgente. Nous avons déterminé que c'est pas grave, ça peut faire un coup de chaque juridiction de l'effet. Mais surtout, on va renforcer le rôle de la puce en tant que banque. Exploitation de banque. La banque, le commerçant, à droite, le banquier, au milieu, un ministre qui est parvenu à l'effet. 5 milliards de francs pour améliorer la sécurité des cartes bancaires. Monseigneur Sacha, les commerçants sont des affaires disponibles de facturettes, une partie du numéro de la carte et l'identité titulaire. D'ici la fin de l'année, tous les terminaux et tous les distributeurs automatiques de billets seront modernisés pour enlever systématiquement la puce des cartes au lieu de la piste magnétique, jugée moins sûre. De leur côté, les banquiers s'engagent à faciliter les démarches pour leurs clients. La demande de position sera prise en compte dès le premier appel téléphonique. Les banques auront un délai maximum d'un mois pour rembourser les victimes de fraude avec une franchise de 400 euros, soit 2620 francs, pour tous les débits frauduleux enregistrés avant l'imposition. Avec cette charte, le gouvernement entend faire reculer la fraude de carte bancaire, une fraude qui a progressé d'au moins 45% l'année dernière. La première question de la sécurité prise ce matin pour petit fraude de carte bancaire. Elisabeth Bonnet, Jean-François Monnier, a pris un exemple, celui d'une femme qui s'est aperçue que son propre bancaire comportait des achats de mauvais personnes. C'est dans ses habitudes, elle épluche tout. Facturette, relevé de compte, c'est comme ça qu'en mai dernier, Madame Rebout tombe sur trois mauvaises surprises. Trois prélèvements sur sa carte bancaire pour des achats qu'elle n'a jamais effectués. Montant total de l'arnaque, plus de 8000 francs. C'est pas une vengeance, c'est savoir. Et pourquoi ça existe, parce que c'est un moment où on a été abusé, il y a d'autres personnes qui sont aussi accusées de nous. Cette fraude est une des plus répandues. Il suffit de se procurer une facturette, de relever les chiffres, la date, et le tour est joué. Le fraudeur peut alors acheter par téléphone ou internet sans avoir besoin de code confidentiel. Première parade envisagée aujourd'hui, la réduction des 7 chiffres visibles, mais elle n'est pas infaillible. Les pirates ont déjà prévu une parade, puisque sur ce type de site, on peut reconstituer les 16 numéros à partir des 9 numéros qu'on trouvera sur le futur Internet. La fraude la plus récente consiste à copier la piste magnétique d'une carte bancaire à l'aide de ce lecteur encodeur. Le code est alors transmis vers une carte vierge. La parade consiste à lire uniquement la puce répliquée inviolable. Logiquement, si la carte magnétique n'est plus utilisée sur le système français, on aura, disons, une garantie importante. Donc ça, c'est du concret, c'est simple. Le salut dans la puce, oui, mais la France est un des seuls pays à l'utiliser. À l'étranger, les cartes contrefaites peuvent toujours fonctionner. Le salut de l'agriculture, le Premier ministre, est venu avec les meilleures intentions du monde. Il y aura des aides de l'agriculture, si on ferme le secteur non français, à apporter des aides directes. Il s'agit bien d'apporter le totem des arbres des éleveurs à date du lycée de Fouquet. On va pas faire un tchèque pour vous montrer. C'est la première fois que vous avez
dizaine d'œufs dénoués offerts par le producteur, que tu avais commencé par le cadre au premier ministre. Une histoire incompréhensible en Algérie, car après la constat de l'enfant, tout a basculé quand le premier ministre s'est dirigé vers le stand des syndicats. Tout d'abord, une volée de sifflet, et puis c'est une pluie d'eau jetée par des éleveurs de Saint-Éloi, c'est avec une chose importante. Le premier ministre n'a pas été atteint, et il a tenu à minimiser les sifflets. Une grosse ferme, comme celle-ci. Voici ce dont rêve ce contrôleur laitier. Chaque jour, il fait des prélèvements pour analyse en attendant d'être son propre patron. Même s'il a tous les diplômes indispensables, il a du mal à trouver un paysan qui lui céderait sa ferme, son handicap n'être pas fils d'agriculteur. C'est un frein par rapport à certains agriculteurs, c'est un frein, parce que les parents du métier, ils ont l'impression que. C'est un métier dur et dès qu'on n'est pas dedans, on a du mal à faire. Depuis un an, Christophe négocie le rachat d'une exploitation. Grâce aux aides de l'État et à des prêts intéressants, il dispose de 800 000 francs. Juste de quoi se payer les animaux et les bâtiments. Pour les terres, il voudrait bien les louer, mais elles sont à vendre cher et les candidats très nombreux. Ça se passe souvent sous la table, les tractations, ce genre de choses. Aussitôt qu'il y a une ferme qui a mise en vente ou qui a cédé, tout de suite il y a beaucoup de bruit qui se fait, qui se fait autour. Aujourd'hui, il y a deux départs d'agriculteurs pour une arrivée. Christophe est un passionné, il sait que s'il réussit à s'installer, il sera alors lourdement endetté et devra rembourser 7000 francs par mois pendant 12 ans. Au bout du compte, on travaillait dur, on a mis peu. Et là, il est vrai que mon salaire sera indispensable. Dans cette association, la DASEA, on aide les jeunes à trouver une ferme. On tente aussi de persuader les anciens sur le départ de ne pas vendre trop cher. Quelquefois cela marche, la plupart du temps non. Les fermes sont alors démantelées et servent à agrandir d'autres exploitations. On limitera toujours les dégâts grâce à des structures comme les DASEA, mais ce ne sera pas suffisant pour contrebalancer les grandes orientations politiques internationales qui veulent une agriculture. C'est un peu l'américanisation de l'agriculture européenne. En augmentant systématiquement la taille de leurs exploitations, les agriculteurs espèrent maintenir leurs revenus, sans se poser la question de savoir s'ils ont plus besoin aujourd'hui de voisins que d'hectares. L'embargo décrété hier par la Commission européenne sur tous les animaux et produits dérivés dans le Grande-Bretagne, en raison de production pasteuse et entraînant des mesures de protection, aujourd'hui, en France, comme ici, dans le département de l'Indienne, d'autres départements, on a encore un dispositif vétérinaire de pré-agriculteurs. Le développement économique de la côte est une crise d'autant plus dramatique qu'elle s'ajoute à celle de la maladie de la cheval, en privant à nouveau de tous leurs marchés d'exportation. D'où l'inquiétude de cette région, du côté de l'Essex, interdite par notre travail spécial jeune de Michael Barnes. Entrée interdite pour cause de fièvre aphteuse. Cet abattoir de l'Essex est entouré d'un périmètre de sécurité depuis la découverte ici de 27 porcs malades.
dans un village voisin, Del Simons, l'un des clients de l'abattoir, a reçu la visite des vétérinaires. Ses porcs sont sains, mais il sait que le virus d'origine asiatique est extrêmement virulent. Nous pouvons perdre tous nos porcs qui sont la base de notre exploitation. Si nous les perdons, nous perdons tout. Il est capital de maintenir la maladie à l'écart. La mère de Dale a connu l'année 67, quand une épidémie de fièvre aphteuse avait forcé les éleveurs à abattre et à incinérer des centaines de milliers de bêtes. On les brûlait sur place le plus souvent. La fumée, les odeurs, c'était horrible. Vous avez peur que ça recommence? Nous craignons tous. Le livreur de soja qui va de ferme en ferme doit désinfecter les pneus de son camion. Tous les visiteurs sont de même avec leurs portes et portent des combinaisons jetables. Toutes les précautions sont prises donc pour éviter que cette maladie ne s'étende, mais maintenant les autorités britanniques sont lancées dans une véritable course contre la montre pour essayer de retrouver l'origine de cette épidémie qui s'est révélée à une quinzaine de kilomètres d'ici et qui pourrait être venue de n'importe où ailleurs. L'association de Francisco Garcia cache que le monde du Chapot cherche les prisonniers et les commandants de l'éducation de la police de Bordeaux de la division antiterroriste qui ont interpellé la Mandelette du Pyrénées Atlantique à la station Salouin en Espagne, le temps qu'un nouvel attentat ait été commis ce matin sur Sébastien, faisant 2 morts et 3 blessés. Commentaire de l'Espagne. C'est au passage d'un élu socialiste, simple conseiller municipal, que la bombe a explosé. 6 kilos de dynamite placés dans une voiture. Les commander à distance la signature de terre. L'élu qui se rendait à son travail comme chaque matin sortait de cette gare toute proche. Il a été gravement blessé. 2 ouvriers d'une entreprise électrique qui travaillaient à proximité sont morts à l'hôpital quelques heures après l'attentat. Le gouvernement, c'est lui qui a activé la bombe, ou il a activé des gens qui ont fait plus grand. Il les voyait, il savait ce qu'il faisait. Comme toujours au Pays Basque, c'est déboulé en silence que les habitants protestent contre les attentats. Au mois de mai prochain, les élections sont prévues dans la province. Avec cette explosion, le terrain ouvre donc la campagne électorale à sa manière. L'organisation clandestine n'a qu'un seul objectif, déstabiliser l'État espagnol et les nationalistes basques modérés qui dirigent la région en respectant le règne de la démocratie. Et rien ne semble atteindre au terrain. Ce matin, le chef de ces commandos clandestins a été arrêté en France, en Angleterre, au Pays Basque. Les policiers suivaient en filature ces réseaux de soutien qui les ont menés par chance à ce restaurant de déjeuner en toute tranquillité, les chefs clandestins. Un coup dur, mais peu importe, la semaine dernière, des membres de théâtre s'entraînaient à tirer le lance-roquettes dans cette pinette des Landes, en vue sans doute d'autres attentats. Et que le ministre de la Côte d'Ivoire a reparti hier de Paris aux forces françaises sans les aides qui les comptaient. La France et l'Europe n'ont en fait que conditions de soutien, respect des droits, des libertés, mais donc protection des étrangers non migrants. Les Burkinabés subissent en fait des violences et sont pour beaucoup déjà contraints à l'exode vers leur pays d'origine voisin. Reportage de nos opérations dans le terme de la paix. Depuis plusieurs semaines, la ligne Abidjan, Bobo Dioulasso ne désemplit pas. À bord des 3 trains hebdomadaires vers la 2e ville du Burkina Faso, des milliers de travailleurs immigrés, burkinabés, maliens ou sénégalais, qui rentrent au pays. Sans savoir si ce départ est provisoire ou définitif, tous décrivent une Côte d'Ivoire de plus en plus hostile aux étrangers. On dit à quoi de vrai c'est un burkinabé. On est tous déjà piqués, mais on appelle toujours de la Côte d'Ivoire. La peur? Un sentiment nouveau pour près de 30% d'étrangers vivant en Côte d'Ivoire. L'instabilité politique, la montée du nationalisme, un antagonisme nord-sud grandissant ont en quelques mois ruiné l'image d'un pays cité en exemple par le passé pour son hospitalité. Les immigrés du Nord dénoncent aujourd'hui tracasseries policières, raquettes et intimidations, parfois même la violence et la chasse à l'étranger. J'ai oublié de rentrer. Pourquoi? Parce que je suis obligé, je vois qu'on embête les gens, les gens dans la nuit, on frappe les femmes, j'ai vu même qu'on paye une femme de toute durée entre les policiers et tout ça, j'ai vu ça ici. Et alors, c'est là, là. Un sourire, la satisfaction d'avoir pu trouver une place dans ce train. Pour ceux qui emprunteront la route, il faudra encore passer les barrages
et subir le racket des policiers ivoiriens. À 60 km de là, Bonou a 75 000 habitants, dont un tiers d'étrangers. Jadis, modèle d'intégration, la ville a connu il y a un mois ses premiers incidents graves entre étrangers et autochtones. Bilan, 5 blessés et plusieurs magasins appartenant à des étrangers saccagés. Depuis, Madame le sous-préfet tente non sans mal de renouer le dialogue entre communautés, minimisant au passage la poussée xénophobe dénoncée par certains. Je ne pense pas qu'on ait une autre attitude par rapport aux autres pays qui... Qui reçoivent des étrangers. Oui, qui reçoivent des étrangers, c'est la même réaction. Quand on en a marre, bon, à un moment donné, bon, on dit, écoutez, les étrangers, allez-y chez vous. Mais c'est un peu partout comme ça. C'est pas trop par rapport à vous. À Benoît, comme ailleurs en Côte d'Ivoire, le départ des travailleurs étrangers est encore limité. La balle est maintenant dans le camp du gouvernement qui, après quelques atermoiements, a promis des gestes forts pour ramener la paix civile. Nouveau bombardement américain dans le nord de l'Irak, l'armée américaine a fait la chute des éléments du système de défense intérieure. Irak, protestation et condamnation à Moscou. Poursuivant nos enquêtes sur l'origine des immigrants clandestins kurdes, je sur la place européenne, nous sommes venus à Diyarbakir, c'est un Kurdistan turc. Une bonne partie de la population de cette ville, 1 500 000 personnes, est composée de réfugiés, déplacés pendant la guerre dans les années 90 et de conditions misérables, et espèrent beaucoup de départ vers l'étranger. Voyons peut-être Pascal Gourmet et Jean-Charles. Une cour traditionnelle et du parcho, la scène pourrait se dérouler dans un village des montagnes du Kurdistan. Mais ce sont les faubourgs de Diyarbakir. Nous sommes l'un des quartiers les plus pauvres de la ville, sortis de terre ces 10 dernières années. Tous ces habitants sont kurdes, chassés de leur village pendant la guerre que menaient les rebelles contre l'armée turque. La famille Talman est arrivée ici il y a 8 ans. Elle partage sa maison avec deux autres familles, elle aussi déplacée, 20 personnes au total. Les élèves, les travailleurs et les chantiers, les femmes et hommes se souviennent de la départ de la terre. Les soldats sont venus, ils ont fait sortir de la maison. Ils ont mis le feu, ils ont abattu les animaux. Et ils nous ont dit de partir. Ils nous disent qu'ils avaient fait ce livre. Bien sûr, ils l'ont vu dans notre village. C'est là-bas que nous sommes chez nous. Pas dans cette ville. Nous n'avons pas voulu vivre ici, mais nous n'avons pas eu le choix. Aujourd'hui, ce retour au village leur paraît bien lointain. Le plaisir est dans le coin. Il commence à finir toute sa vie, passé ici, dans la tente. Alors les histoires de clandestins qui se racontent à table, on se rend compte de tout. Aujourd'hui, on peut voir que c'est un peu plus de temps. Si je veux dire, je ne vais pas te dire, nous accompagnons, ils nous diront qu'un mot de leurs deux enfants, rebelles dans le combat contre l'armée turque. Ils nous diront aussi, ils ont le temps pour croire. Beaucoup de Kurdes ici à Diyarbakir n'ont ni les moyens ni le réseau pour partir à l'étranger. Ils attendent en revanche des pays européens qu'ils fassent pression sur la Turquie pour qu'enfin ils puissent vivre comme ils l'entendent sur leur terre. Et si on pense que les clandestins kurdes vivent une semaine pour découvrir comment d'asile dans d'autres pays, comme les Kurdes, les immigrants font l'objet d'un prix sélectif, notamment dans les pays européens qui reçoivent toute demande d'asile. Les clandestins y arrivent très facilement. Ils sont très bien dans le cas. Dans un centre d'accueil à Saint-Tropez, c'est une philosophie. Ils vont reprendre la mer, mais cette fois pour un retour contraint et forcé dans leur pays d'origine, l'Albanie. Trois fois par semaine, la police italienne procède ainsi à une dizaine d'expulsions de clandestins. Les deux pays ont signé un accord de rapatriement systématique. Pour les immigrés albanais qui se font prendre, l'aventure italienne n'est plus qu'une brève escapade. 10 km de là, de nouveaux clandestins, dont la plupart maghrébins, enfermés dans ce centre, en attente d'un statut sans illusion. L'Europe, c'est fini pour nous. Là, c'est un vrai coup de poker là, que nous entendons ceux qui sont venus ici. On a senti un peu le parfum de la démocratie, c'est encourageant, mais je pense qu'il y aura beaucoup, beaucoup de difficultés après. C'est l'espoir qui fait vivre, on espère quand même qu'on aura cette petite chance sur 10 000 de passer. Ils sont ici parce que les conditions d'asile sont réputées favorables. Mais très vite, le directeur de l'établissement leur a expliqué que l'Italie pratique désormais un tri sélectif entre ses clandestins. Les Kurdes,
Pour les Kurdes, les Irakiens, les Sri Lankais, les Burundais, c'est bon. Mais les Nord-Africains n'ont pas le statut de réfugiés, tout comme les Pakistanais, les Marocains, les Tunisiens, les Algériens. Pour nous, ce sont des sans-papiers. Ceux qui obtiennent le plus facilement leur titre de séjour, ceux qui sont très vite libres de leur mouvement, ce sont les Kurdes, qu'ils soient d'origine irakienne ou turque. Mehmet n'a pas de regret pour ses 3000 dollars et sa traversée périlleuse. Pour arriver ici, c'est vrai, c'est dangereux. Mais pour notre communauté en Italie, il y a beaucoup de possibilités. Comme tous les 34 000 clandestins du centre qui ont obtenu leur carte de réfugié, le jeune homme va rejoindre le reste de sa famille en Grande-Bretagne, en Allemagne ou en France. Le rapport des services judiciaires sur les dysfonctionnements de l'enquête dans les affaires d'Israël et de l'IAM rendu public demain. La ministre de l'Investissement, la ministre des Affaires sociales, les élèves d'Ibou, ont ensemble annoncé des changements dans la gestion des établissements français. Les jeunes handicapés, envoyés spéciales, après sa publication, proposeront le reportage de Fanny Vernon, qui est fort passé à l'Assemblée de l'Assemblée sur ce sujet, mais aussi dès maintenant les annonces ministères. Après deux mois d'enquête administrative, c'est la première personne sanctionnée. Jean-Jean Duclerc, le président, et son association pour aider les jeunes handicapés de l'IOM n'ont plus le droit de gérer les 8 établissements du département. C'est Elisabeth Guigou qui a pris cette décision ce matin. Le président de France, qui est prévu par le code de la famille, si les fonds ne sont pas fermés, ils peuvent être gérés par un administrateur ou deux administrateurs provisoires, mais j'ai décidé de prendre cette décision de France, au vu de ce que j'ai entendu. À l'origine de ces sanctions, l'affaire du disparu de l'IOM. L'enquête administrative ordonnée par Elisabeth Guigou sur les établissements qui accueillaient les jeunes filles a mis à jour de graves dysfonctionnements. Les abus qui, selon les témoignages recueillis par les inspecteurs des affaires sociales, se poursuivraient encore aujourd'hui. Un administrateur provisoire est nommé pour 6 mois. Afin d'assurer la gestion des instituts. Toute la responsabilité pénale éventuelle des dirigeants se sera de la justice et la déterminer. Document, quel que soit le temps, envoyé spécial et spectaculaire chute d'une grotte chantier ce matin, c'était dans le centre de Nantes, qui a été sur un immeuble d'habitation, seul le greffier a été blessé sans rien, il est revenu pour un peu choqué par les mains. La police fréquente de défibrillateurs cardiaques permet d'accéder de milliers de diminutions de 10 millions subites et puis à des contractions énergétiques du cœur sont recensées sur le plan de France. Or, un petit appareil, une pointe de 20 ans est disponible, mais la France a beaucoup de retard dans la pose de ce défibrillateur indispensable à certains. Avantage de fil en vigueur et d'animal. Rassou est un rescapé. Il y a tout juste 5 ans, il a fait un accident cardiaque, une accélération incontrôlée du rythme de son cœur. Ce phénomène est appelé la fibrillation ventriculaire et son issue est fatale dans 90% des cas. Je fais un accident sur le cœur et tout le monde, c'est plus très vite, toujours des douleurs, tout est plus profondément, les mouvements. Ce choc électrique relance son cœur. Mais pour prévenir une nouvelle attaque, il subit une légère intervention, la pose d'un petit appareil métallique sous un muscle du thorax. Cet appareil, c'est un défibrillateur et il est relié par une sonde directement au cœur des patients. En cas de crise, c'est-à-dire de contraction rapide qui doit être contrôlée, le défibrillateur envoie immédiatement un choc électrique. Il établit un rythme cardiaque stable, bref, il sauve la vie. Le défibrillateur a sauvé la vie de jeunes sans-enfants. Autant dire que les pompiers et les gens intérieurs sont intervenus 5 fois de suite, immédiatement, à l'instant même où j'en avais besoin, sans déplacer sa vie. Après chaque choc, il faudrait surtout consulter son cardiologue et vérifier le fonctionnement de l'appareil. L'efficacité du défibrillateur n'est plus à démontrer. Pourtant, la France en pose peu, environ 1000 par an, soit 4 fois moins que son voisin allemand. Pourquoi? Parce que cela coûte cher. Un appareil vaut 100 000 francs et il n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Seuls certains hôpitaux publics prennent en charge sa cause, mais les budgets sont limités. Effectivement, ce coût de 100 000 francs paraît très élevé. Il y a beaucoup de gardes, il s'aperçoit d'une part que ce coût.
des hospitalisations et peut-être diminuer la prise de médicaments, c'est offrir aux malades un plus grand effort de vie qui lui n'a pas de prix. Sport, football, il y en a une fin d'après-midi, une soirée, un peu plus de soirée, partout, une personne, qui a marqué après une belle grosse faute de Berthoff, 1-0, c'était à la 33e minute, voilà. Et puis, il a fallu attendre la dernière minute du match, c'était à 32 minutes, pour faire le corner de Rousseau, une tête d'Emilson, 20 pouces égalité, d'avoir quelques chances pour la suite de son parcours en Ligue européenne. La liste des grands joueurs retenus par Roger Lemaire, qui fait une équipe de France de football, face à l'Allemagne, 27 sur le prochain Stade de France, confirmation pour Paul Marc-Edelé et pour Steve Marley, et puis retour de Philippe Christian Brun. Beaucoup plus de changements en plus dans la composition de l'équipe de France de football contre l'Italie, les trois matchs prochains, pour la troisième étape du tournoi des 6 nations. Explication sur Jean-Bou. Épuisé, Richard Bourque est prêt au combat après leur match contre les Rennes. Bernard Laporte a donc décidé de les mettre au repos forcé. Bienvenue donc à Pepito et Lega. À 23 ans, cette arrière joue à Agen. Il s'est récemment illustré contre l'équipe 10 de l'Euro. Et comme Yannick Jougeot, joueur de Colombier, son poste au centre, justement un des points faibles de l'équipe de France. Du côté des revenants, Fabrice Landreau, venu de sa Lombardie, Fabien Galtier et Émile Otamac sont également de retour. Contre l'Irlande, samedi dernier, la France les a multipliés. Seule consolation, l'Italie, le prochain adversaire, est actuellement dernière du tournoi, mais c'est bien connu, il n'y a jamais de match facile. Théâtre, la famille française a réussi comme son habitude de faire des matchs de direction. Ce soir, c'est la première du match imaginaire, la mise en scène de Claude Sass, qui a redécouvert les versions chantées et dansées créées par le lien sur le monde imaginaire, version comédie musicale. Ce soir, la comédie française casse la baraque et nous montre les malades imaginaires comme si c'était la première fois. Ok, on peut refaire ça avec les mouvements. Voilà une pièce que l'on ne répète jamais assez. L'œuvre parmi les plus jouées de Molière compte parmi les plus difficiles. Pur car, regarde, c'est la réponse possible. Très bien. Le malade imaginaire, c'est du Molière concentré. On y trouve des traits de Laval, de Georges Dandin ou du bourgeois gentilhomme. C'est une idée dans le comique, elle est beaucoup plus difficile à trouver. Et donc c'est pour ça que, comme je disais, ça m'angoisse. Même le cinéma adore la scène finale, véritable apothéose qui résume le reste. Là, le malade s'imagine devenir maître. La pièce testament de l'auteur consacre aussi le duel livré entre Lully et Molière. Et depuis ce fameux soir où il laisse sa vie sur scène, Molière meurt chaque fois un peu pour mieux renaître. Vu sa difficulté, la comédie française joue pourtant rarement la version dansée et chantée, comme en 1944 avec Jean-Louis Barrault. Ni carnaval, ni danse rituelle, rien à voir avec une simple comédie musicale. Ici, au fond des risques. Pas de technique de danse particulière, puisque ce sont des comédiens, ce ne sont pas des danseurs. Donc c'est vraiment quelque chose que j'invente avec eux. On célébrera à l'occasion la 2000e représentation du malade dans la maison de Molière, pour montrer comment un texte tant rabâché peut étonner. Deuxième petite séquence.
l'opposition et la critique politique, comme je l'ai dit, est tout d'abord à Paris, la tenue du 18e arrondissement de 4 camions pour soutenir Bertrand Guillaume de Chatham. Dans le nouveau printemps, en présentant la victoire de son ex-urbain, le secteur socialiste à Paris. Le sondage fixé vis-à-vis le point de vue de France 2 concernant les élections de Béziers, la liste de gauche qu'on doit prendre en compte, peut nettement avancer vers cette massive campagne et de la réputation du territoire. Jean-Claude Guessot a beau être un enfant du pays, difficile pour lui de déloger le maire sortant dans les sondages. Au premier tour, Raymond Coudert et sa liste DL, FPR, UDF obtiendraient 44% des voix contre 37% pour la liste d'Union de la gauche. Loin derrière figure le Front National avec 8%, les Verts avec 7%, enfin 4% pour le MNR. Au second tour, quel que soit le cas de figure, Raymond Coudert conserverait son avance. Dans l'hypothèse d'une triangulaire, le maire sortant l'emporterait avec 50% des voix, 42% pour Jean-Claude Guessot. Dans l'hypothèse d'un duel gauche-droite, Raymond Coudert resterait en tête avec 56% contre 44% pour Jean-Claude Guessot. Alors, comme on dit, Jean-Claude Guessot sera le parti communiste dans ses élections municipales, ayant tenu une campagne électorale sur le monde de Béziers, dans cette ville où on a pris l'habitude d'échanger tous les 6 ans au maire. On paraît bon que Dieu de l'Ordre. Flotte ici comme une étrange malédiction. Béziers, c'est la ville où il ne fait pas convaincre le maire. Depuis 1946, à chaque élection, la majorité change, un coup à gauche, un coup à droite. Il n'y a aucune continuité dans l'action publique. Il n'y a pas de problème à la ville, mais à qui a il a toujours fait des actions que par rapport aux prochaines élections dans les 5 ans, c'est ça qui veut dire. L'actuel maire, Raymond Coudert, se verrait bien interrompre ses alternances. Les sondages lui sont pour l'instant favorables. Pour lui, la venue de Jean-Claude Guessot, tout ministre qu'il est, n'apporte rien de bon à la ville. Depuis 3 ans qu'il est ministre, il n'a apporté que des retards. Un retard pour l'autoroute, un retard pour les TGV, un retard pour la route de l'Europe. Et puis, d'un autre côté, le ministre, c'est le quintal. Dans quelques semaines, il sera plus ministre. Il restera le communiste. Et les Pétérois, ils auront désiré le communiste pendant plusieurs années, c'est une manière de confession. Autre que dire pour Jean-Claude Guessot, le PR sur la liste à part au premier tour avec un bel appétit de contour. C'est comme ça la limite qui est liée des candidats à la Bégie, mais par les émissions de programme, en tant que frère, je n'ai pas toujours matière à l'autisme. L'extrême droite, aujourd'hui divisée entre des listes, fut très forte. C'était autrefois avant la scission entre les deux et le temps. C'est le premier tour, si nous avons 10% c'est ce que nous nous mettons tous les temps. Dans tous les cas, bien sûr. Jean-Claude Guessot peut compter sur le soutien des sociétés. Un mariage de raison, plus que de passion, car les députés à la Baron se voyaient bien lui aussi tête de liste. Béziers, où l'économie repose encore beaucoup sur le vin, mais aussi sur le tourisme, au cours du canal du Midi. Béziers, terre de cruauté ou de catastrophes brûlées au cri de tuer les tous, je le reconnais aussi. Béziers, enfin, cher au cœur de Jean-Claude Guessot qui commença sa carrière de cheminot dans cet atelier de maintenant, de l'ancien pied. C'était au début des années 60, avant de trouver en politique une autre voie. C'est difficile d'être communiste, communiste, d'une gauche parallèle. Communiste, je suis, mais c'est pas ce titre que je suis tête de liste. Parce que lui, ça a une à Béziers, ou que de la tête de 10%, je l'ai dit, tel que pas. Si j'accepte d'être candidat, comme on m'a proposé, ça n'a pas un titre de maire communiste, si je peux dire. Et ça va amener ma sensibilité, bien entendu. C'est ça pour d'une part rassembler en quelque sorte la gauche pour rien, et puis élargir la société civile. Et c'est ce que nous avons fait. Un tiers de la liste est représenté par exemple la société civile. Et le nombre de personnes, certaines, si je leur demandais d'être de droite et de gauche, je ne suis pas sûr qu'ils me répondraient de manière persiste. Ce sont des gens qui ont envie. Qui a envie que ça bouge à Béziers. Béziers est frappé du mobilisme depuis. Sur cette question des sociétés civiles et naturalistes, on trouve un peu plus tôt en France. Est-ce que c'est pas, d'une certaine manière, une faillite des politiques d'être obligé de sortir de la partie de que les partis sont trop étouffés, trop serrés, trop enfermés? Un peu, pas comme vous le dites, est-ce que c'est une faillite ou est-ce que c'est peut-être une nouvelle manière de se faire des politiques?
c'est comme ça que je le dis. C'est-à-dire que les politiques ne sont pas la sensibilité et puis la société derrière qui regarderait ce qui se passe. Moi je vous dis qu'il y a ce lien entre justement les politiques, ceux qui sont en train de progrès, les socialistes, les communistes, le parti de gauche, le mouvement des citoyens, tout cela, et réunis par le monde. Je ne dis pas les mots, mais je vous réunis d'ailleurs pour moi, je vais vous présenter 37 chevalistes pour 7. C'est exactement sûr et commun. Bien sûr. Il faut nous travailler ensemble. Nous travaillons ensemble, mais je suis favorable à ce qu'on appelle le développement durable. C'est-à-dire la prise en compte non seulement des personnes, des sociétés, de l'emploi, mais aussi des personnes de l'économie. J'ai la question de service public, il nous dit qu'il y a des moyens, il faut quitter et tout. Et en fait, il donne son côté communiste, sa tradition communiste. Je vous ai fait une façon de. C'est quand même rien du tout. J'ai travaillé peut-être ma vie, j'ai écrit récemment, je donne rien du tout. Ma sensibilité communiste, c'est parce que je suis pour la justice sociale. C'est parce que je suis pour que quiconque ne doit pas être laissé sur le bord de chemin. C'est ma démarche. C'est pour ça que je ne veux pas être communiste, rien d'autre. Rien d'autre. Mais je crois que la société est justement tellement riche de diversité, d'efficacité. Il faut réussir à ce que tous ceux qui ont envie se passent dans le champ. Je pense à Béziers, à la bataille pour le bien commun. Béziers est une ville où il y a trop de chômage, trop de chômage, et qui est très longtemps. Une ville, vous savez, ça m'a fait extrêmement plaisir, y compris quand on disait pas du tout de moi dans le reportage, mais je me disais quand même pas de Béziers, parce que quand on pensait à Béziers, on parle toujours de Montpellier. Mais Béziers, c'est une vraie qualité. Mais ce n'est pas une période d'égalité, mais je crois d'ailleurs qu'on peut conjuguer les efforts. Mais Béziers a été délaissé, délaissé très longtemps. Pourquoi ne faut pas quitter Béziers pour épouser généralement du rôle du Parti communiste dans toutes ces élections? Est-ce que je pense que c'est un avantage d'être dans un gouvernement où tout le monde travaille ensemble? Parce qu'on a toujours très bien de la différence entre le Parti communiste et le Parti socialiste dans le gouvernement. Quand on n'est pas dans le gouvernement, on dit vous n'êtes que des protestataires. Quand on est dans le gouvernement, on dit on ne vous reconnaît pas. Bon, je crois qu'il y a un peu d'avis de faire des propositions de différentes bases, notamment sur la taille de l'emploi. Et que le gouvernement, dans le cadre de la politique, le Premier ministre s'est engagé sur l'objectif du plan d'emploi. Moi, maintenant j'en suis. Je suis sur le transport, je suis sur l'équipement, je suis sur le logement, le tourisme également, ce sont mes responsabilités ministérielles. Eh bien, regardez ce qui se passe. 87 000 cheminots de supprimés de 84 à 97 en baisse. 26 000 cheminots. Air France, 9 000 suppressions de points, 93 à 97. Vous voyez, il y a des informations, vous voyez là. Comme vous le souhaitez, vous êtes là, vous voyez. Donc, on est allé sur le Parti communiste. Il y a bien 10 000 créations de mille par jour. Le Parti communiste, quand on est le capitaine de France, on a crié, on a dit, il faut arrêter de crier, etc. Et oui, mais vous voyez, ça va aller quand même. Oui, ça va aller parce que certains disent que l'ouverture était synonyme de la même liste de la loi du marché à dette, du marché, comme on dirait, parce qu'il est ni miséricorde ni conscience. Moi, je veux que l'économie est aussi de la miséricorde et de la conscience. Je ne vois le capital, mais l'actionnaire public reste majoritaire et l'embauche 10 000. Et c'est que regardez, c'est du pragmatisme, c'est du réalisme, c'est du reniement. Si vous dites pragmatisme, en pensant que je tiens plus que des réalités, que je dois faire avancer les choses. Non, je suis un homme où il faut prendre des décisions. Il faut, est-ce qu'on fait le monde de théâtre de l'Union, je le fais. Est-ce qu'on fait le TGV Est européen, je le fais. Est-ce qu'on décide pour 2000 pour l'Arc, je le fais. Est-ce qu'on fait le sabotage, c'est-à-dire mettre des camions sur les traits. Nous sommes en train de le faire, le Premier ministre a annoncé, Jospin l'a annoncé, à Chambéry récemment. Donc, si c'est ça notre pragmatisme, partir de la réalité pour être informé, je suis pragmatique. Mais si c'est renier sa propre conviction, sa propre sensibilité, moi, je suis libre de réinventer ce que vous avez. Vous avez fait le 4 avril 63, je crois, il
Thank you.